the maniacal cultists are quelled for a time. But there can be no celebration. Your progress is measured only in progressive realization and dawning horror. You are in the shadow of the end. Yay! On est reparti pour plus de Darkest Dungeon. La dernière fois, on avait fait le deuxième assaut contre le château ténébreux. Et on avait gagné. Ça s'était bien passé. Honnêtement, c'était très très potable, safe. Il n'y avait pas trop de problèmes et tout. Honnêtement, c'est super bien passé. Donc, très content de ça. Par contre, on doit donc refaire donc, le troisième assaut. Alors, le troisième assaut, le ventre de la bête. Votre ennemi est vaste et tentaculaire. Ah oui, je l'avais déjà lu. Donc, on m'a expliqué qu'en gros, il y a un système de téléportation. Donc, il y a écrit épuisante. On peut camper 4 fois. C'est parce que ça peut durer très longtemps et ça peut être très court aussi. Et le mieux, ça serait d'avoir du dégât. Du dégât. Donc, genre les furies et tout ça, c'est pas mal. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un truc? Le mieux, en fait, ça serait si on a du DPS. On me l'a souvent aussi rappelé. C'est d'utiliser une classe que j'aime pas trop. Enfin, pas que j'aime pas trop, mais que j'ai pas... J'en ai pas de haut niveau, c'est ça. Avec, bien sûr, précision et critique, en fait. La balade guerrière. Parce que, oui, ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider, en fait. Genre, quand on fait des runs avec, genre, des guerriers comme ça, qui ont des gros dégâts, mais qui, quand même, ont une précision de merde, hein, faut être honnête. Quand ils ont une précision de merde comme ça, c'est un peu catastrophique. Et du coup, ça aide énormément d'avoir un bouffon dans l'équipe, tout simplement. Donc en fait, en théorie, le plus fun, ça serait... Enfin, le plus safe, si on veut faire du gros dégât, ça serait ça. Genre un truc comme ça. Genre un bon Vestal avec le bouffon, Giant Dad et Ornstein, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être une très bonne équipe, en fait. Donc ouais. On pourrait faire ça. Après, pour moi, il y a aussi le chasseur de primes, Dark, qui pourrait être intéressant. Mais ouais, genre une équipe comme ça, c'est très basique, mais c'est très... Voilà, c'est... Ça marche, quoi. En barre. Donc ouais. Donc je pense qu'on va encore attendre un tout petit peu. On va attendre un tout petit peu. Avant de se lancer là-dedans. On a des trucs à faire de toute façon. On a le prophète, on a la sirène. Il nous faut de l'argent. On a ça aussi. Précision et protection. Là on a quoi? La furie. J'ai bien envie de tester ça. J'ai bien envie de tester ça pour récupérer l'anneau. Parce que l'anneau est vraiment pas mal. Après, on peut faire des petits runs. Mais on va sûrement tomber encore une fois sur la chose des étoiles, hein, comme d'habitude. C'est quoi ça? Convention médicale. Convention médicale, c'est... Je crois que c'est gratuit. La médecine, là. Qu'est-ce qu'on peut envoyer pour des niveaux 1. Ou alors, on fait ça. Moi, je dis pas non pour ça. On avait fait un run avec qui? Je me rappelle plus. Un run où ça s'était plus ou moins bien passé. Ah, putain, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout. Un run avec esquive, non? Parce que là, on peut prendre un peu n'importe qui, en fait. Ils sont tous, sont tous tranquilles. Je sais plus. Loge.
La tanière. C'est avec les cochons et tout ça. On peut voir un peu. La tanière. Ok. Et après, Emerald. Est-ce qu'on a quelqu'un à augmenter? On aurait de lui à la limite. Précision moins 10, ça il pourra enlever ça. On peut faire un run comme ça et on les met full esquive. Avec Vanguard qui fait tank, buffer, stun et tout ça, et on joue en dot surtout. Je te dis pourquoi pas. Après, ce qu'on avait bien fait aussi, c'était avec un occultiste. On a qui d'autre en occultiste? À lui. C'est qui est le plus avancé? Gwendoline. Endurance, stress. Cric. Ça peut être bien, ouais. Ça peut être bien comme équipe. Et après, faudrait faire. Si jamais on voit un run, genre petit. Bah, comme ça en fait. Faudrait peut-être s'en profiter pour faire un run argent. Mais bon, je voudrais bien récupérer ça en fait. Ouais, je voudrais vraiment récupérer ça. Alors, fais voir un peu. Fais voir un peu. Alors, c'est toi qui as l'esquive la plus basse. Très très bien. Pas mal. Ça, esquive, esquive. Après, on a les dégâts avec vitesse moins 1. Donc là, on joue en dot. On joue en dot. Alors, ça, c'est pas mal. Plus de stun. Protection et stress. Précision. Contre les horreurs, vitesse et esquive. Dégâts contre les humains. Mais ouais, parce que cet anneau est vraiment bien. Donc il fait de la défense et de la précision en même temps. C'est bien pour tout le monde en fait. Je sais pas quoi mettre après. Le docteur, on peut enlever les debuffs, donc c'est pas. Enfin les dots et tout ça, donc c'est pas trop grave. On peut se débrouiller. Un truc qui pourrait nous aider. Mêlée, critique, soin. Compétence de soin. Y'a pas soin reçu. Protection et PV. Je sais jamais quoi prendre. J'ai remarqué que je switch souvent en fait. Change de vertu, résistance aux infections au malus. Euh,
Là, du coup, il n'y a pas beaucoup de dégâts hein, qui viendraient de lui, mais bon. Essence au coup fatal, PV max. Ah, dégâts et précision. Bah, c'est pas vraiment intéressant. Oh mon dieu, je vais pas mettre 3 ans quand même à trouver. Choisir mes trucs, merde. Apparemment, si, je vais mettre 3 ans. Bon, bah voilà. Alors, pour les habilités, toi t'es en 3ème. Très bien. 4ème. Protection, on n'a peut-être pas besoin. Ah si, on va faire comme ça. Parfait. Parfait, parfait. Alors... On peut faire un... Genre un plein. Donc ça fait trop. Qu'est-ce qu'on rencontre déjà souvent là-dedans? C'est les herbes. Les eaux bénites. Les herbes et les eaux bénites. Et ça aussi. Ah, arrêtez de faire ça. Ok, ça me parle pas mal. On y va. Ouf. J'espère que ça va bien se passer. Allez, long chemin comme ça. Bah là, on est plutôt donc esquive. Hein. Avec Vangarl qui devrait nous aider à esquiver et tout ça. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. C'est pas mal comme, comme carte. Alors ça... Non, ça ira. Zéro repérage, c'est bien. Le tir au flanc porcin. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mon dieu, les résistances quoi. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Putain. Ça fait quoi, 24? C'est bon. Lui, il a beaucoup d'esquive par contre. Great is the weapon that cuts on its own. 85%. On va voir si ça marche avec... Ah, hein, pas mal. Là, on a 40% de déplacement et 30%. De stun, je trouve que c'est bien. Ah putain. Fallait qu'il fasse un critique quoi, c'est ouf. Ouais. Unforgiving. Fallait qu'il fasse un critique quoi.
C'est incroyable. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il allait toucher. Pas vraiment besoin. Ok. Ah, on est vraiment là pour la récompense. Hein. Pas vraiment pour autre chose. De toute façon, on va faire sûrement plein de combats. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on campe maintenant ou on attend encore un peu? Je dirais qu'on campe dans cette salle-là. Qu'à faire cette on fait comment, comme ça ou comme ça? Alors, on va faire les bords d'abord. Mon dieu, ancient traps lie in wait. Vous faites exprès, c'est ça? And thirsting for blood. Ça marche. Parce qu'en fait, on n'a pas trop de stress, donc autant combattre un peu plus. Alors, on va se concentrer sur lui. Fait plaisir. Sans déconner, quoi. Dazed, reeling, about to break. Putain. Ok, très bien. La riposte. Évidemment. Impressive. Je me demande si le défenseur c'est vraiment très utile pour notre façon de faire là. The fiend falls, a faint hope blossoms. Qu'est-ce qu'il est rapide ce machin quand même.
devastating blow. A decisive pummeling. Ouais. De toute façon, il va jouer en premier. Ah, quoique non. Saignement. Antidote, on est au max. C'est bon. Très bien. On a l'heure de camper. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Ah, parfait. Alors, en plus les embuscades nocturnes, c'est un peu la merde, mais bon. Alors, esquive et crit. Et là, on avait dit qu'on voulait lui enlever. Ouais, les maladies, au moins. Très bien. Là, on a... Stress, moins 50. Ou alors, précision et vitesse, bof. Stress moins 50. Très bien. Ok. Pas mal. C'est pas mal. The light, the promise of safety. Tu nous fais chier. Quel. Voilà. Ça, je fais pas assez attention en fait. Genre le truc ça dure jusqu'au prochain campement en plus. Voilà, le debuff si on peut. Nickel. Onslaught. Destroy them all. Masterfully executed. Très bien. Yay. A singular strike. Oh. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ah, étourdissement. Je sais pas si ça va passer là par contre. On peut tester à la limite. T'as vu qu'on a augmenté. Non, ouais. Ça m'aurait étonné aussi.
embêtant, il stresse un peu Vanguard quand même, hein. Putain. The time to perform beyond one's limits. Omaewamu Shinderu. Voilà. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Nickel. C'est pas comme si les saphirs n'allaient en trouver beaucoup. J'en sais rien en fait. Alors. Il n'y a que Vanguard qui me fait un peu peur avec le stress. Oh, ces trucs sont horribles. Well struck. Je sais pas... toi. Ok. C'est le mauvais choix. On est tous passés devant alors qu'on on les a même pas surprises, c'est cool. Confidence surges as the enemy crumbles. Très bien. Attends, toi t'as beaucoup de résistance à l'infection, donc à la limite on va pas essayer. Mais toi non. Très bien. Precision and power. Ah, je suis, si je peux le... Oh non. Faire ça, comme ça, ça fait avancer l'autre. Ouais, voilà. Ouais. Ah, bien joué. Très bien. The abyss returns even the boldest gaze. Ouais, on va être dans la merde. Ok, on est bon. Et des critiques. Bigger the beast, the greater the glory. Pas mal, pas mal, pas mal.
Le curio, honnêtement, je sais pas si ça en vaut la peine, parce qu'à chaque fois, c'est pas, c'est des tombes sacrificielles, là, la plupart du temps. C'est méga rare de trouver autre chose. On a encore combien de combats? Bon, après, on connaît le chemin, on va dire que c'est un peu l'avantage. On sait qu'il n'y a pas de combat dans le chemin. Je sais jamais quoi prendre. Ouais, voilà. C'est tout le temps des trucs comme ça. Ça sert tellement à rien. Parfait. Après, on peut ne pas le faire tanker pendant un moment, mais bon. Enfin, quoique, oui, on peut faire ça. Ouais. Très bien. C'est parfait. Ah, esquive dot, hein, c'est mon truc favori, je pense. Là, j'aime bien aussi cette composition avec les babioles qu'on a mis. Ah, nickel. Est-ce qu'on peut faire un petit soin? Non. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Alors, est-ce qu'on peut faire... Ouais, bof. Ça, ça aide en fait pour le protéger aussi. Hein. Il a quand même. Il gagne 26% de protection si on l'utilise. Ah non, ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est vraiment pas mal. Le bouclier rempart là. J'aime bien. Ok. Du coup, on va ailleurs. Du coup, on va ailleurs. Match is struck.
Encore un combat à faire. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. C'est un peu la merde. Ah, oh, y a que lui qui a été touché. Non, mais sans déconner, quoi. Si je le repousse, ça va être relou, non? Je sens que ça me fout plus dans la merde qu'autre chose, en fait. Faut lui faire des dégâts. Ouais, c'est bon, il pourra mourir en deux tours, c'est parfait. Voilà, prochain tour, il meurt. Aucun problème. Ah, que Vanguard qui stresse énormément. Enfin, après, il y avait... comment il s'appelle ? Verdun aussi qui stressait un peu. On a dû lui baisser le stress. Nickel. Vingt et un dégâts. C'est ouf. À combien? 36 de dégâts? Putain. Their cursed champion falls. Putain, 200. Deux fioles de sang. Aïe 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 aïe. Restons concentrés. Lui, il va sûrement aller derrière pour essayer de nous taper. Et après ça, on va se reposer. Même à 100%, on y arrive. On reste calme. Je crois qu'on va devoir faire de la riposte.
Ah ouais, d'accord, il peut vraiment passer vraiment tout derrière en une fois. The blood quickens. Parfait. Tu le pousses, ça serait bien. Yes, nickel, il peut pas faire son attaque. Putain, bien vraiment le debuff là. Oh la vache. Châtiment. Baisse la précision, si ça passe, ça passe pas. Y'a rien qui passe, c'est bien. Non mais... Pas c'est marrant 5 minutes, mais bon après ça devient relou quand même. Ce qu'on peut faire, c'est repousser encore lui. Voilà. Ah putain, on l'a restunné alors qu'il était boosté au stun. On est bon. Ah merde, je pouvais taper derrière. A victory. Perhaps the turning point. Parfait. But a victory nonetheless. Très joli. Pas très bon. Alors, esquive écrite. Très bien. Toi, le stress, ça va. Alors, uniquement sur soi, un compagnon dégâts en plus, un compagnon 15% en moins. Nickel. Je sais pas pourquoi, Vanguard. Bah en fait c'est parce que c'est le tank et
faudrait en fait une sorte de compte-rendu, genre combien il s'est fait genre vomi dessus déjà. Avec les habilités des petits cochons là. Donc du coup je pense que c'est à cause de ça surtout. On va pas jeter le reste. En théorie on devrait y arriver avec 12 de nourriture. Enfin, ça fait encore beaucoup. Je préfère la jouer un peu plus sereine. Aïe 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 aïe. J'utilise de moins en moins le stun à l'arrière et je trouve que ça nous rend plus efficace. Très bien. Ok, nickel, ça fait 1. Ah bah bravo. On va mettre moins de marquage là sur Vanguard parce qu'on ne peut plus baisser le stress maintenant. Donc donc tout le monde va prendre des buffs. Ça va un peu tourner. Ah merde, c'est lui de devant que j'aurais dû... Oh, c'est pas grave. Boum. Ouh, joli. Ah, c'est bête, j'ai pas la dague. Ah, j'aurais pas dû le faire sur lui. Quoique, en fait, si. Ça fait combien? 2 à 3. Ouais, 2. Normalement, c'est bon. Ah non, putain, j'ai mal compté. Oh, oh la vache. The wounds of war can be healed.
never hidden. Hop. Voilà, comme ça il va mourir. Putain, pour une fois il a... Hein, il est passé en... assez vite en tour. Oui. Je dois bien de la nourriture, juste au cas où. Aïe. Ça a marché que sur un seul, quoi. Et oh, Vanguard, merci. Joue un peu plus vite. Ça, c'est... Ah, vous êtes... M'énervez pas, les mecs. Sans déconner. Faites pas de la merde. Très bien. Mais je voudrais bien tuer lui. Ça, on n'en parle plus. Exposed to a killing blow. Très bien. Qu'est-ce qui me rend fou à louper comme ça leur coup? Non. La peste rouge, c'est une horreur, je crois. Ah, super. Ça y est, tout le monde commence à se prendre des baffes. Il n'y a plus personne qui esquive. C'est magnifique. A brilliant confluence of skill and purpose. Putain de toi, quoi. Oh là là, ça commence à me gaver, là. La peste rouge. Oh mon dieu. Ah, c'est catastrophique la peste rouge. Encore heureux que là, les saignements, il n'y en a pas trop, je crois. Yeah.
Stun encore? Non. On peut toujours rêver. Hein. Il y a des gens qui ont parlé de... d'une classe... Je sais plus laquelle, mais apparemment elle pourrait stun deux fois d'affilée sans trop de problèmes. Tellement que... tellement qu'on peut augmenter les stuns, le pourcentage. Creatures can be felled, they can be beaten. Donc bon, ce serait pas mal. Ah, non, 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 non. Oh, bah bravo. Ça aurait pu être un buff de dégâts. Ah, ça c'est de la nourriture par contre. Ennui. C'est du stress, je crois. Merde toi. Ah, saigné. Ouais. Avec une défense aussi pourrie pour le saignement, ça va être fun. Hein. Ah bah oui. Tiens, je vais m'amuser à le soigner. Et toi, ta mère. Très bien. Alors, est-ce que c'est ennui exactement? Ah non, c'est la vertu. Oh, ça va, on risque strictement rien. Il va encore le saigner, mais bon. Ouais, on soigne 12, on prend 6 de dégâts, quoi. C'est pas si mal. Ok, toi t'es mort. Ah, c'est une catastrophe. Je peux pas le soigner. Pas le soigner sans qu'il prenne cher. Ah, attends. Je passe devant le docteur. Ah, ça va, il arrive. Donc je pouvais le soigner en fait. Donc là, c'est bon. Parce que là, le dernier tour, en fait, on n'était pas dans le bon ordre pour qu'il s'en sorte. Enfin, qu'il s'en sorte sans être stun. Sans être saignant. Mais on va le stun lui, par contre. Thank you.
Joli. Très bien. Très bien. Seize this momentum. Push on to the task's end. Très bien. A fortune waiting to be spent. Les pelles, elles servent à rien. On a des trucs avec des pelles ici. Mais en fait, s'il faut, il n'y a rien avec des pelles. Il n'y a rien avec trucs avec des pelles en fait. Maintenant que je regarde, je fais toujours peut-être la même erreur de prendre des pelles. Ça sert à rien. Après, je préfère prévenir que guérir, hein, honnêtement. Bon, en théorie, encore peut-être une salle et on est bon. Deux salles. Voilà, encore une salle maintenant, on est bon. Ok. Bon, encore une salle et on est bon. Oh, putain de toi quoi. Mechanical hazards possessed by evil intent. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. On va pas faire plus. The twisting tunnels seem a little less impossible. Eh ben ça s'est bien passé. Pas même mieux que bien honnêtement. Je veux dire que ça s'est très bien passé. On n'a même pas stressé rien. On a failli. Mais on a bien fait. L'esquive a bien fonctionné. Donc ouais. Alors, spiritualité. Point reçu, prodige. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc, ouais, très content. Ça va. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Alors. On a toi niveau 1. Pourquoi pas. C'est quoi qu'il fallait augmenter? On peut l'augmenter, non? C'est la diligence. 29 héros. Là, 5, le nombre de héros. Il nous faut des contrats. Après, je sais qu'on a ça aussi. Mais je préfère avoir ça, comme ça nous fait plus de choix en fait. On a plus de chances du coup d'avoir un niveau 3 ou 2. Donc 16. On va prendre ça. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain. Of the damned. Silence dans les cryptes. Tanière, il n'y a plus qu'un truc, même si c'est avec deux, ok.
Très bien. Il reste ça, résistance, saignement, à la maladie. Ouais, ça dépend vraiment des endroits. Je crois que c'est peut-être le dernier objet qui nous manque. C'est peut-être le dernier objet. Parce que là, on en a un bon, là. Précision et protection. C'est puissant. C'est puissant. Ça va sur tout le monde, en fait. Sur les tanks, sur les DPS, sur tout, en fait. Vraiment, vraiment cool. Alors, avant qu'on continue, on va regarder ce qu'on avait. Alors, ça, la cécité, c'est chiant, mais on pourra l'enlever. Attendez, mais c'est pas mon équipe, ça. Ah, ça, c'est relou. Mais ouais, à la limite, on peut les... Soins reçus de la grâce divine et le réconfort divin. Ouais. La peste rouge, un des pires. Toi, t'as eu prodige, soins reçus 20%. Ça peut nous aider, surtout pour se soigner déjà toi-même. C'est déjà ça. Et après, comme ça, on peut enlever infirme. Putain, tu vas nous coûter cher. Attends. Non, non, max. Ouais. Eh ouais. Ah, tu nous coûtes cher, hein. C'est vraiment bien parce que tu fais bien ton boulot, tu nous as beaucoup aidé, t'as de l'endurance, t'as ça, la torche et tout ça. Donc niveau stress, il n'y a pas trop de problèmes, honnêtement. Mais ouais, tu coûtes très cher quand même. Hein. Mais t'es bon, donc on va pas trop rechigner. Le docteur, il a eu quoi? Ouais, rien de très spécial. Y a Vanguard, il faudrait lui enlever la peste rouge. Peste rouge. Docteur, il a un peu de stress, mais rien de trop grave. Toi, on pourra l'enlever pendant que tu te reposes, pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, ça. Bof. Précision et critique. Bof. Ça, on l'a déjà. Là, c'est le prophète délirant. Le prophète délirant, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est en position 4. Ouais. Mmh. Y a rien de très intéressant. Ça, c'est dangereux parce que là, les soins reçus, moins 33%, il y a un tiers des soins qui passent pas, c'est ouf quand même. Ça, c'est un peu beaucoup. Ça ferait seulement 2 tiers qui soignent. Genre sur 10 HP, c'est quoi? C'est 7? C'est. Ouais, non, ça, c'est relou quoi. Je sais pas si ça vaut le coup, honnêtement, d'avoir ça, de mettre ça. Ça, l'étourdissement, infliger un malus. Ça peut être vachement utile. J'avoue que ça peut être vachement utile. Parce que, mais par contre, c'est que si on le joue en position 2. Pour ça, pour le stun, en fait, la main abyssale. Après, le fait d'augmenter les malus, ça, c'est pas mal aussi. Hein, parce qu'on pourrait... genre ça passerait plus souvent. Et j'avoue que ça aide. Hein. Ça aide quand même bien. Mais je sais pas trop quoi faire. C'est con parce qu'on a des longs trucs en fait. Précision écrite. Je sais pas si on les utiliserait ça.
Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans les ruines et on essaye de faire la chasse au... à la chose des étoiles, ça peut être un truc. Ou alors on essaye de faire un boss. Je crois qu'on peut toujours pas faire un boss vétéran. Parce qu'on n'a pas vraiment augmenté. Un boss vétéran, on a ça, ça. Non, il faudrait augmenter ça. Il faudrait faire en fait un autre truc vétéran, mais en fait je le fais jamais. Ouais, faudrait faire un autre run vétéran. Oui, non, c'est ça. Genre par exemple ça. Ouais, mais après il faudrait du 3. Non, c'est trop dangereux, non, on va pas y aller avec des 2 quand même. Parce que lui, bon, lui il va passer en 5, donc lui non, on peut pas le jouer. Elle, je suis quasiment certain aussi qu'elle va passer en 5. Donc elle, ça sera un boss et après les 2 seront en 5. Mais après là, on va pas y aller avec 2, 3. Non, bah alors faut faire du 1. Comme d'habitude. Faut faire du 1. Donc on a le choix entre... Tu vois, qu'est-ce qu'on a, nous? Ça, c'est l'ordre du commandant. Je crois pas qu'on ait les... Pour le croiser, on la passe. Alors, croiser. Non, on l'a pas, mais est-ce que c'est utile? Soins de stress reçus, plus 15. Compétences de soins. En fait, on en fait un soigneur, quoi. Bof. Et après là, ça par contre, ça peut être intéressant pour le mousquetaire. Je sais pas encore si elle est bien, si elle loupe souvent. Donc je dirais ça, niveau 1. On prend tous les niveaux 2. Est-ce qu'on a un healer? Ça, putain, on en a que niveau 1. Toi, je t'aime bien. Oh putain, toi, tu vas. Oh la vache. Si on la fait dormir. Elle ou il, je sais pas. Il va faire les cauchemars sûrement. En plus, on doit dormir 2 fois, c'est super. Après, on a le chien. Le chien, il a quoi? Ah putain, le chien fait chier. Qu'est-ce qu'on peut prendre autre part? Chose. Ouais, bof. Bon, je vais faire une pause, je vais réfléchir. Parce que c'est un truc long et je vais prendre 3 heures à me décider. Donc, petite pause, je reviens. Alone in the woods or tunnels, survival is the same. Prepare, persist, and overcome. Ok. Bon, du coup, je reprends là. J'étais en train de faire l'équipement et tout ça. Et j'ai... augmenter ça parce qu'il faut que j'achète des nouveaux skills. Et du coup il a parlé, donc je me suis dit comme ça vous entendrez ce qu'il dit. Donc on va faire double briseur de bouclier. Et on va les faire jouer, on va les faire danser en fait. Par contre il me faudrait marque impossible, change d'infliger d'infection. Ouais, de toute façon on va pas le faire vraiment. Donc à la limite c'est pas vraiment très intéressant. Par contre, ça c'est des trucs. Nil. Arrêtez tous de vous transformer en monstres, honnêtement. Alors là on a ça. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais voir. Parce que là, moi j'utilise ça. Parce qu'il est en troisième position. Donc c'est saignement, 3 points. Là c'est que 2 points, mais ça touche 2 cibles. Et là du coup ça fait quoi? Ça fait 3 sur 3 tours. Et là du coup ça fait 4. Du coup ça fait 4. Je pense qu'on va continuer à faire ça.
Ouais, parce que le saignement peut être utile. Après, j'avais pensé à faire autre chose, mais bon. Esquive 25. On va le prendre aussi. Là, on a quoi? Vitesse 3. Alors, on va les jouer comme ça. En faisant... genre recul, avancer, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Ah, j'ai même pas le temps de voir ce qui se passe exactement, c'est tellement chiant. C'est tellement rapide. Ok, c'est pas mal. Parce que apparemment les gens mettent... Alors nous on veut quoi? Nous on veut le mousquetaire, c'est ça? Ou ça? Enfin, je dirais la tanière c'est peut-être plus safe. Mais bon. Les mousquetaires ça a l'air d'être plus intéressant. Ouais, enfin les deux de toute façon c'est tuer des trucs donc bon. Maintenant pour l'équipement, yay, la partie la plus longue. Alors déjà. Pour les soins. UV max et esquive. Toi il te faut ça. Ça c'est pas intéressant. Alors on a le niveau 2, précision et protection. Théorie ça devrait bien se passer avec avec le bouffon là. Esquive 15. Là, tu auras esquive 10, tu seras à 35, avec un peu de protection. Toi, t'es déjà à ça. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre? On a esquive et vitesse. Ah oui, on va où, là? On va dans la crypte, c'est ça? Yes, dans les ruines, pardon. Ah, pardon. Enfin, on peut se préparer, de toute façon, sur l'autre écran, je crois. Donc, du coup... notre super truc là, dégâts contre les impies. Dégâts à vitesse moins 1 et stress peut être pas mal. Après, on n'a pas autre chose pour genre esquive en même temps. On peut mettre ça à la limite. Mais bon. Le gobelet, il n'y a personne qui peut le prendre parce que le gobelet, il est quand même vachement bien. Je préfère avoir un peu plus d'esquive en fait. Ok, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Donc les ruines. Les ruines là par contre il faut des pelles, de l'eau bénite, tout. Fait chier. Un peu de l'argent aussi, putain. Jamais d'argent dans le jeu.
d'argent, ça fait plaisir. Arrête! Arrête de faire ça! Ça me perturbe. Je pense que c'est pas mal. Tu as le... Oh merde, il faut que j'achète l'embuscade. On revient. J'ai plus, il me faut de l'argent. Encore. Guide de survie. Guide de survie, c'était pas mal ça aussi. On l'a utilisé pendant très longtemps. On peut les vendre, les torches? Non. Ah, c'est pas comme si j'allais le faire, mais c'est pour savoir. 3007. Désolé, c'est bon. Let's go. Qu'est-ce qu'il me manque là? Ah, ils ont bénit. Voilà. Ah, on est chargé. Hein. Mais il y a aussi la créature à la con. J'ai toujours pas pris d'objet. J'attends encore un peu. Parce que j'ai vu que maintenant on sait qu'on peut un peu la combattre plus ou moins sans trop de problèmes, j'ai envie de dire. Oups, pardon. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Pièce de combat. C'est pour la torse, c'est pour de l'argent, on va attendre. Nickel. J'ai changé leur skin aussi. Alors. Alors comment on joue? Alors ça marche ça. Et là on peut faire infection sur tout le monde du coup. Marrant. C'est marrant. Aïe. Après, ce qui est intéressant, c'est que... J'aime bien parce que ça tire vraiment en plein milieu du bouclier, ça c'est cool. Parce que il y a pas mal de chances de faire du crit en fait. Donc c'est intéressant. Confidence surges as the enemy crumbles. Après, je sais pas si c'est le meilleur meilleure façon. Ah.
Après, qu'est-ce qu'on a? On a ça, traction. Continue the onslaught. Destroy them all. Ok, pas mal. In radiance, may we find victory. Tension d'or. Qu'est-ce qu'on fait? On dort une fois déjà. Donc ça, ça ferait ici, puis après on continue. Ouais, parce que dans les couloirs, ça peut être le... Ça peut être la saloperie qui rôde en fait. Enroule mon poignet, les crocs qui passent. Oh la vache, on va avoir un... Oui, c'est vrai qu'on va avoir le truc. Alors, empêche les embuscades nocturnes. J'imagine qu'eux, ils sont pas pieux. Enfin, j'en sais rien. On a 8. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, protection, PV max, quoi. Les deux. Peau de serpent. Marque impossible. Il faut être aussi intouchable que le vent et le sable. C'est vraiment intéressant, marque impossible. Je comprends pourquoi les gens parlent de cette classe. Ah. On recommence. Ben, il faudrait prendre des anti... Oh là là, des anti-stressants, là. Mon dieu, si je fais passer ma lance... Les deux vont riposter, c'est ça? Ouais, on aurait dû prendre des anti-stress. Des... Oh là là, ça me rend fou. Ça me rend fou. A momentary abatement. Catastrophe ce truc. C'est vrai que ce combat en fait il nous fout dans la merde. Hein. Merde.
plus qu'à chaque fois que j'avance, donc du coup en fait ils sont dans... Il faudrait inverser les rôles. Là il faudrait pas bouger en fait. Du coup je peux jamais faire ça. Je peux jamais faire empaler. As the fiend falls, a faint hope blossoms. On va pas utiliser d'antidote pour le moment, parce que de toute façon, on va faire que se taper du venin. Sauf si ça commence à être un peu trop, mais là ça va. Encore heureux qu'il y a lui. Leur formation est broken. Très bien. Maintain the offensive. En plus, ça nous fait perdre un combat, je crois, pour les buffs. Donc c'est un combat extra qu'on n'est vraiment pas obligé de faire. Press this advantage. Give them no quarter. Dégueulasse. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est la galère. Yay. A time to perform beyond one's limits. Ils disent qu'une beauté si exquise doit être admirée et que je suis donc faite pour danser devant leur visage et empoussiérée et désespérée, leurs yeux larmoyants et injectés de sang, leurs lèvres grimaçantes et gercées. Ce public de débauchés ne me voit pas comme une personne, mais comme une merveille exotique. Je suis une belle chose. Protection et stress. C'est pas mal, ça. Je me demande si on devrait vraiment pas garder le journal. Moi, je préfère le garder, parce que ça va sûrement nous être utile. Enfin, j'en sais rien. Bon. Ah oui, par contre, il y a un truc. Ce que j'ai peut-être pas bien fait, c'est que j'ai pas... regardez la vitesse des gens. Ils ont exactement la même vitesse. Donc c'est pas une très bonne chose. Parce que du coup je suis pas vraiment sûr de qui va commencer en premier. J'ai remarqué. J'ai pensé à ça mais trop tard en fait. Là on a protection. On perdrait l'esquive. Enfin, c'est la merde. Ah, ils ont beaucoup de protection du coup, je crois. Ringing ears, blurred vision, the end approaches. Ah, bonne chance pour le toucher, lui. The flesh is knit. Pummeling.
C'est pas mal, hein. Surtout en bas niveau, c'est carnage, hein. C'est marrant. Alors, ça, c'est argent. C'est assez comique, en fait, en bas niveau. Je sens qu'on va tomber sur la créature dans pas longtemps. Je crois que c'est sur lui que j'ai déjà fait le truc. C'est pas grave. Bah alors, ils sont où tes potes? Ils ont disparu? Ils ont été dissous par l'acide? Essaye de gagner un peu de temps. C'est vrai qu'avec ça, ça permet d'absorber les attaques. Donc du coup, en gros, ça serait comme si on stunait l'équipe. Enfin, les méchants. On prendrait rien, aucun dégât. Très bien. Inspiration and improvement. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Faut que tu touches tout le monde, toi, à chaque fois. Putain. J'essaye de gérer mon stress, moi. Of skill and purpose. Ghoulish horrors brought low and driven into the mud. C'est pas grave. Je me rappelle plus. Ouais, c'est où de l'argent? Okay. Merde. Joli. Annihilated. Ah, protection 40%. Putain, c'est bien. Star is born. A dizzying blow to body and brain. Pam. Thank you.
Putain, le fait de pouvoir toucher n'importe où, quoi, c'est ouf quand même. D'être un peu trop puissant, le machin. Bah après, je crois qu'ils sont assez fragiles. Enfin, ils ont pas beaucoup de vie. Ça, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ils ont vraiment pas beaucoup de vie. Mais ils peuvent avoir de la protection. Et ils ont une bonne précision. Mais bon, faut que je fasse attention la prochaine fois pour la vitesse. Parce que là, la vitesse, elle est toute merdée. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre qui passe en premier. Bah voilà, la preuve. Très bien, on est à zéro, c'est bon. Parfait. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Je devrais pas ouvrir les coffres encore. C'est top. Hop là. Back to the pit. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Est-ce qu'on fait une attaque normale? 4 à 7. Masterfully executed. Voilà. Oh putain de toi. Laisse-moi passer les deux là en même temps, putain. Les uns après les autres. C'est marrant. Allez, on va ça. Ah bah oui. Another one falls. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. C'est marrant. Ah putain, vous faites chier. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. C'est super fun. Super fun à jouer. Even the cold stone seems bent on preventing passage. The blood quickens. Oh, c'est qui s'est pris le critique, c'est toi? Ah la putain. Ah, c'est vraiment... Même la vitesse, elle est aléatoire, quand même. Genre, vitesse 11. Les deux, ils ont vitesse 11. Et lui, il a vitesse 8. Genre, pourquoi... Pourquoi un passe et pas l'autre? Alors, les mecs, vous vous retrouvez seuls?
Voilà, critique. A trifling victory, but a victory nonetheless. Où allons-nous là? Ouais, ah ouais, plus de chances de crit. C'est juste magnifique en fait. Marrant, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, je sais pas si en plus haut niveau ça sera utile. Hein. Je dirais que. En haut niveau ça devient peut-être nul, ou alors il faut vraiment. Bien mieux les équiper, je sais pas trop. Putain, on a tué personne, merde. Pam, 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 pam. Bah ils sont partis où? LOL. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ils sont partis où les gens? Il y avait un curieux, c'est quoi ça? Ah oui. A fortune waiting to be spent. Ah merde, il y a un combat. Pensez que c'est ce que je pense. Non, ça va. Ah! J'allais me mettre en défense, absorbant les dégâts, mais en fait ça va, ça passe. Another abomination cleansed from our lands. Yeah, okay. Il faut de la place. Ouais, mais j'ai envie de garder le papier, moi. Parce qu'après, on peut les lire, en fait.
dans la ville. J'ai vu l'endroit où on pouvait les lire. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Alors, ça c'est. Packs laden with loot are often low on supplies. Ça a été pillé. Qu'est-ce qu'on fait? Campe maintenant ou pas? Je crois qu'on va camper là-bas. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Très bien. Bonjour. Très bien. Weakened. Six. Juste parce qu'il joue vite en fait, donc j'ai pas envie d'avoir une surprise. Ah ça va. Aucune défense de plus porter les attaques aux innombrables origines. Ça veut dire quoi? Aux innombrables origines. Short, t'es un égyptien? Enfin, ils viennent d'Égypte, j'imagine. Vu leur accoutrement et la façon dont ils combattent et tout. Tu viens pas de 50 pays, c'est ça que je veux dire. Faudrait leur augmenter les critiques. Genre un bon 20% de critiques, ça serait vachement bien quoi. On n'aurait jamais de problème de stress en fait. Genre ça ferait critique tout le temps. Tout le monde réduirait leur stress tranquillement. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Ok. La créature doit être là. La créature doit être là-dedans. Donc ça nous fait un obstacle, un combat, ça nous fait 3, 4 combats. Together, furtive and vulnerable, rats in a maze. La créature est totalement là. Que je boive un coup, deux secondes. On y va. Alors. Ah merde, on va avoir un combat aussi avec les... Merde. Avec les serpents. La marque impossible, c'est bien, mais je crois qu'il n'y a personne qui marque ici en fait. Maintenant que j'y pense. Je crois pas qu'il y ait des gens qui marquent. Gens réfugiés de l'infection.
Ça nous aidera aussi pour résister les serpents, là, si jamais on a le rêve encore. Je sais pas si c'est du 100% quand on a les brise-boucliers, ou alors c'est juste un pourcentage. Je suis sûr qu'on a, on a passé une nuit... Ouais, bah voilà, bon, ok, c'est pas du 100%. J'étais certain qu'on avait passé une nuit sans avoir le rêve. Et merde. Malédiction, c'est quoi ça? Ok. Ça fait chier, ça. Ça doit sûrement une fois par, par donjon. Je dirais. Ouh, ça va être marrant, tiens. À moins qu'il commence dans le désordre. Super. On aurait pu tuer les 4. Faut vraiment que je fasse une différence avec la vitesse là. Ça c'est... Ça fout un peu la merde. Ah bah tiens, on a les trucs qui marquent. Putain de merde. Chaque fois que je dis un truc, ça se passe quoi. Puis j'aime beaucoup la lance. Parce que l'autre, elle utilise une hallebarde, hein, la furie. C'est pas vraiment une lance. Ok. Aïe. Non, attends. Let's go. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On peut lui mettre ça. Mais est-ce que ça va vraiment être utile? À la limite, on peut faire un roulement de ça quand il y aura le cristal. Peut-être que ça marchera. Surtout quand il sera bas en vie, en fait. Ah oui, mais je les ai fait avancer, je pourrais plus le faire. Pulstun ? Ouais, bof. On va lui faire des dégâts plutôt. Oh la pute ! Putain ! C'est bien parce qu'à chaque fois ça lui baisse les HP. Elle a pas de soins augmentés, c'est un peu un problème. Ça sert à quelque chose d'en faire plus que 3 d'affilée? On va essayer de le faire saigner un peu. Toi, tu bouges pas quand tu fais ça. Ouais, on est bon. Voilà. Je crois qu'on est au max en fait là. Après, le truc il se reset. Enfin, il se reset. Non, enfin, ça part au bout d'un moment. Donc, je crois que c'est 3 tours max. 2 tours même. Et après, ça ira jamais à plus de précision 14, je crois. Ah tiens, on peut faire ça, là. Je vais voir. 3 à 5. Oh, il a 0% de défense contre l'infection. Intéressant. Pas mal.
ça, il va falloir s'enlever l'infection. Un peu dangereuse. Ah, parce qu'en plus c'est un truc automatique, hein, il perd pas d'action quand il fait ça. Alors, 3 à 5. Je sais pas, c'est un peu risqué en fait de faire ça, non? De le faire comme ça. J'ai pas enlevé le truc. A momentary abatement. On va dépeindre un cristal avec l'un et se protéger avec l'autre. On va d'abord détruire le cristal pour être sûr de le détruire. Comme ça on n'a pas de surprise. Toi tu vas faire ça. Ça nous aidera un peu sur... sur les HP. Très bien. Maintenant, on va faire l'inverse si possible. Très bien. Il y a le bruit et tout, c'est top. Ça aussi, c'est une équipe que j'aime bien, là. Ça nous permet d'être assez... on peut bouger et tout, c'est très... C'est assez safe, en fait. C'est surprenamment safe, en fait. Je pensais que ça pouvait être dangereux, mais en fait, ça va. Parfait. Oh. Et puis en plus, ah oui, c'est vrai que eux, ils percent l'armure. Donc en fait, ils peuvent toujours faire des dégâts sur le gros. J'avais même pas fait vraiment penser à ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça. 25 cristaux, enfin éclats de comète. Alors un peu de plus d'argent, ça je vais le garder comme j'ai dit. Je vous montrerai après pour ceux qui savent, je suis sûr que tout le monde sait où on peut le voir. Mais... En théorie on a fini. Il reste plus que deux combats. Et on est bon, donc les pelles on en a plus besoin. La clé peut-être là-bas dans le coffre. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Très bien. Après, j'ai l'impression que le taux d'infection est vraiment bas. Je crois. Je vois toujours, quasiment tout le temps, un au lieu de deux.
victories mount, so too will resistance. 120%. Ou alors ça stack pas, mais ça m'étonnerait, ce serait débile. Ah mais non, attends, y a que toi qui... What? Ah, c'est la différence entre le 2 et le 3. Oh, j'avais pas fait attention, ça, j'avais pas calculé en fait. Mais c'est la première fois qu'on voit des habilités changer. Hein. Parce que normalement, elles font toujours la même chose. C'est juste qu'elles le font mieux. Ah, donc plus on augmente ces mecs-là, et plus ils deviennent intéressants en fait. Putain, ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Donc ben en fait ce que je viens de dire là en disant que peut-être au niveau machin c'est ça devient moins bien. Ben en fait non parce que du coup il y aura de l'infection. Genre de plus en plus. Ouais là il y a infection. Ou à moins que c'est parce que je lui ai mis quelque... Non 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 il n'y a rien de spécial. Yeah, regarde-moi ce stress. Yeah, critique encore, voilà. L'autre il est mort déjà. Il a vu deux lances lui arriver sur la gueule. Place. Nickel. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Nickel, nickel. Buste, buste. Yes, on a fini. J'avais un peu peur que ça soit pas fini. Ah bah ça va, on a la place pour tout en fait. Eh ben. Ça, on peut dire que... Qu'est-ce qui se passe? Allô? On peut dire que ça s'est bien passé. Hall by hall, we reclaim what is ours. Il y a eu un peu d'argent. Ça a dû rembourser notre run, pas plus. On a eu ça, mousquetaire, ça a l'air pas mal. Intouchable, ça c'est bien. Nerveux, ça c'est chiant. Ah, space, vitesse plus 3. Ouais, ça peut être pas mal. Méditation inaccessible. Haine des horreurs. Résistance à l'étourdissement. Ouais, ça va, c'est pas horrible. On a vu pire. On a vu nettement pire. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Waouh, ce choix, magnifique. Magnifique. Bah, très content. Très content de l'équipe. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Du coup, ah oui, mais on peut pas avoir, merde. Mais sinon... Ah non, maintenant ça dit toujours infection. Je comprends pas. Ça doit être ça, hein. Ça doit être le niveau 2, hein. Je suis sûr. On verra. On a récupéré le chapeau. Qui a l'air intéressant. On a même récupéré ça, donc protection 10%, c'est plutôt très honnête.
Et mousquetaire, précision 8, critique 5. Surtout pour le critique, ça m'intéresse. Et après, il faut voir, voir ce qu'on aurait. Parce que là, c'est que de la précision. Ça, c'est pour le bandit. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Quand on aura un mousquetaire un jour. C'est quoi ça? Ouais. Alors, on va regarder ce qu'on a, mais on va s'arrêter là. Précision qu'un. Ah oui, non, ça on l'a déjà, l'anneau. Oh! Ça on l'a jamais vu ça. Soin reçu 40%. Je crois que ça va être le dernier qui nous manque. Hein. Change de groupe, sois surpris. Ouais, ça c'est le dernier. Bon, bah ça marche. Ça marche. Est-ce qu'on va faire un groupe pour le combat? Je sais pas trop. Je vais voir un peu si on a un truc potable. Je crois que ça peut être potable. Mais comme j'ai dit, on n'aura pas de très bonnes habilités pour dormir en fait. Ah, ça va surtout compter sur eux deux là. Et voilà, on aurait genre 3, 6. Hmm. 9. Bah... Ouais... Ah, ça... Ça ferait 12. Avec ça, ça fait 12. Donc il se gagne, il gagne un peu de protection, en fait. Ah, en fait... Non, attends. On peut faire ça. Précision et esquive. Peut-être mieux. Par contre, avec 15 000... On peut voir un peu... On va s'arrêter là, je regarde le groupe pour faire la prochaine fois possiblement un run Dark Donjon là. Est-ce qu'on a un autre soin qui serait pas allé, qui serait augmenté? Toi. Alors toi du coup t'as. Non. Du coup toi tu aurais que. La masse a augmenté, fais voir tes habilités. Oui, par contre, évidemment, les habilités sont pas augmentées. Non, c'est tout en 3, et là, c'est tout en 4. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça ferait 8000 qui partent. Pas vraiment d'argent. Encore. C'est sans compter les habilités. Ouais, là on est un peu à la traîne. Là on est vraiment même à la traîne. Après, comme on a déjà fait, ça peut passer. Hein. Mais bon. C'est ça. Plus, ah oui, plus le fait qu'il faut embarquer beaucoup de provisions. Oui. Il faut embarquer beaucoup plus de provisions aussi. Quelle merde. Bon, je pense qu'on fera un run argent. Ouais, mais est-ce qu'on peut? Elles sont où les antiquaires? Antiquaire, on en a deux, on en a une à 4 et une à 6. Est-ce qu'on a un genre un tout petit? On a un petit. Ah! Repérage. Et bah, du coup, en plus, on pourrait prendre ça. Et ben, bah, on fera un run avec une antiquaire.
On fera un petit run avec une antiquaire, tranquille dans les ruines. Comme ça, on récupérera de l'argent. Je me demande si c'est suffisant, je pense. Et voilà. Mais par contre, on a personne à qui augmenter. Genre, il n'y a personne qui est niveau 5, en fait. Ils sont tous niveau 6. Après, la question, c'est si on prend un niveau 3 comme ça, est-ce que il va monter directement 5? Ou alors on prend un niveau 1. Non mais elle va stresser de ouf en fait. je crois qu'ils vont stresser incroyablement vite. Ouais non mais on fera un run argent, je crois. Ça nous fait un peu perdre du temps mais bon. Allez, on va s'arrêter là. On va être à court de personnages hein, pour faire le dernier boss. Ça m'embête, hein, parce que là, on va être très 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 limité. Enfin, quoique, on peut se débrouiller en plusieurs semaines, mais à chaque fois, le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent en même temps, quoi. Et ça, j'ai un peu peur. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.